La question posée ici, c'est combien d'élèves se sont inscrits au lycée Marcel Rivière en 2013? Et les informations qui nous sont fournies sont le nombre d'inscriptions pour l'année 2008, 2009 et 2010. Donc apparemment, ce qu'on attend de nous pour la résolution de ce problème, eh bien c'est de partir du principe que l'augmentation d'inscriptions est constante et qu'elle va continuer à suivre la même tendance jusqu'à 2013 et ainsi nous permettre de calculer le nombre d'inscriptions en 2013. Donc pour calculer l'augmentation d'inscriptions qu'on a eue entre 2008 et 2009, eh bien, la manière la plus facile, c'est de compter combien d'élèves en plus il y a. Eh bien, entre 150 et 225, c'est une augmentation de plus 75 élèves. Entre 2009 et 2010, on passe de 225 à 300. Eh bien, c'est à nouveau une augmentation de 75 élèves. Eh bien, ça y est, on a identifié notre tendance. Chaque année, il y a 75 inscriptions de plus au lycée Marcel Rivière. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à calculer pour les années suivantes, 2011, 2012 et 2013, une augmentation de 75 par an. Eh bien, 75 de plus que 300, ça fait 375. 75 de plus que 375, ça fait 450. Et 75 de plus que 450, ça fait 525. La réponse à la question, c'est 525 élèves inscrits en 2013, bien sûr en partant du principe que cette augmentation a été constante.